Soit les circonstances, il
faut servir Dieu. De joie. Quand on tourne les regards vers lui, oh my God, je ne sais pas, mais je sens que il faut que je vous montre ce verset. Je ne vais pas seulement vous le citer, je veux vous le montrer. Quand on tourne les regards vers Jéhovah, on est rayonnant de joie. Alors, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez la joie? Sans mentir, ne mentez pas. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Ne mentez pas, dites la vérité. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Psaume 34, verset 5. Bon, il y a un frère qui a voulu qu'on mette les versets pour qu'il puisse voir. Les frères, parfois vous êtes exigeants, hein? Parfois vous êtes très exigeants. Psaume 34, le verset 5. Je pense que vous êtes là, vous le voyez vous-même. Hein? Psaume 34, le verset 5. Qu'est-ce que ce psaume dit? Alléluia. Psaume 34, le verset 5. Quand on tourne les regards vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. J'aimerais que vous reteniez ce psaume. J'aimerais que vous reteniez ce psaume, qu'il soit gravé dans votre cœur. Quand on tourne le regard vers lui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. C'est ce que dit la parole du Dieu vivant. Donc, si tu es vraiment un enfant de Dieu et que tu as tourné tes regards vers le Seigneur, mon ami, la joie doit faire partie de ta vie. La joie doit être dans ta vie. Tu dois être joyeux. D'ailleurs, nous allons voir un autre passage encore. Pardonnez-moi, je vous donnerai beaucoup de versets aujourd'hui. Le royaume des cieux, c'est la joie. Des cieux, c'est la joie. C'est la joie. La paix par le Saint-Esprit. Ouais. Romains, chapitre 14, verset 7. On va lire la parole, bien-aimé. J'aime lire avec vous la parole. C'est la chose que j'aime faire le plus. Voyez, Romains, chapitre 14, verset 7. Que dit la parole de Dieu? On va voir cela. Romains, chapitre 14, le verset 7. Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ouh! Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voyez, vous devez connaître la paix.
Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu vis avec Jésus, tu n'as pas de paix. Tu dors pas en paix. Tu ne vis pas en paix. Tu n'as pas la joie. Tu es tout le temps dans la peur de huissier. Tu es tout le temps dans la peur de voleur. Tu vis tout le temps dans la peur de la mort. Tu vis tout le temps dans la peur de la maladie. Mais non, ça c'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ça c'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Tu es triste, plus triste que le païen. Tu n'as pas la joie de vivre. Et voilà un peu quelque chose que je voulais partager avec vous. J'aimerais dire à tous les gens, mesurez votre température spirituelle. Et c'est quoi la température spirituelle? Voyez, je crois que les gens qui pratiquent la médecine, je sens l'onction de Dieu ce matin. Les gens qui pratiquent la médecine, les infirmières, lorsque quelqu'un, vous consultez quelqu'un, la première chose, vous mettez le thermomètre, n'est-ce pas? La première chose, vous mettez le thermomètre. Et quand vous voyez que la personne fait la température, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais vous savez qu'il y a une infection. Parce que lorsque les anticorps luttent contre une invasion microbienne ou une infection, ça produit la chaleur. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un fait la température, ça veut dire qu'il y a un combat dans son sang. Les anticorps sont en train de lutter contre une infection quelconque. On ne sait pas quelle infection, mais on sait qu'il y a une infection. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps de cet homme. C'est la même chose. Nous sommes les médecins de Jésus. Lorsqu'un pasteur regarde une brebis, il prend la Bible, il mesure sa température, la température de son âme. Il sent qu'il n'y a pas la joie. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta santé spirituelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, quelque chose ne va pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice de la croix. Tu es justifié, personne ne peut te condamner. Quelles que soient les erreurs que tu aies faites, peut-être que tu as commis l'avortement, peut-être que dans ton passé, tu as volé le mari d'autrui. Tu as commis l'adultère, c'est-à-dire que tu es un homme qui est sorti avec une femme mariée. C'est ce qu'on appelle l'adultère. L'adultère, c'est un homme qui sort avec une femme mariée. Tu as commis l'adultère. Voyez, ou tu as convoité la femme de ton prochain. C'est toujours l'adultère. Tu as fait un avortement. Peut-être que tu as commis un meurtre. Je ne sais pas quelle erreur tu as commise dans ta vie, mais le royaume des cieux, c'est la justice. Lorsque tu acceptes Jésus, tu lui donnes ta vie, le Seigneur te pardonne et oublie tes erreurs. Il oublie ton passé. Voyez, les gens vont continuer à te regarder. Les hommes n'oublient pas. Les hommes vont continuer peut-être à se rappeler de ton passé. Les hommes vont continuer à te juger. Ah, il est deux fois divorcé. Il est trois fois divorcé. Ah, il avait... Oh, bon Dieu. Merci Seigneur. Voyez, l'homme le plus consacré de la Bible, David, un homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait commis l'adultère. Heureusement que la Bible nous dit la vérité. Il avait commis l'adultère.
Il a été pardonné. Ça n'a pas empêché à Dieu de lui inspirer les psaumes que nous lisons aujourd'hui. Tous ces psaumes que nous lisons aujourd'hui ont été écrits par un homme qui avait commis l'adultère. Et Dieu l'a pardonné. Bien-aimé, ne t'occupe pas de l'accusation des gens. Ne t'occupe pas de ce que les gens pensent de toi. Ne donne pas de l'importance de ce que les gens disent sur toi. Les gens sont tellement mauvais qu'ils voient que le mal. Les gens sont tellement mauvais que ça leur plaît de te rappeler ou de se rappeler de tes erreurs. Mais dis-toi que je suis justifié. La justice de la croix. Le Seigneur m'a pardonné. Je suis saint. Le Seigneur m'a pardonné. Je suis saint. Je suis pur. Mon casier judiciaire est vierge. Mon casier judiciaire céleste est vierge. Il n'y a plus de péché sur moi. Alléluia. Ramaya Kababa. Le royaume des cieux, c'est la joie. C'est la paix. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur. Vivre dans l'angoisse. Vivre dans le stress. C'est pas normal, bien-aimé. N'acceptez pas ces choses. Lorsque la peur, l'angoisse, le stress est dans votre vie, dites-vous que quelque chose ne va pas. Dites-vous que quelque chose ne va pas. Allez au pied du Seigneur. Demandez-lui pardon. Dis, Seigneur, c'est pas normal. Le Saint-Esprit à moi, ton esprit à moi, c'est ta gloire, c'est ta présence. Pourquoi il n'y a pas de paix? Vous voyez, écoutez un peu. Le jour où je suis entré dans cette salle, où est l'église actuellement? C'est un local, dans le local de l'église. On pensait qu'il n'y avait pas de courant. On a appelé EDF. EDF nous a dit, mais il y a du courant. Mais nous, on faisait monter l'interrupteur général, mais il n'y avait pas le courant dans la salle. Et EDF nous a dit, il y a du courant. Le monsieur de EDF est venu, il a fait une manœuvre, il a soulevé l'interrupteur général. D'une certaine manière, on s'est rendu compte qu'il y avait le courant. Donc, la salle était déjà branchée sur le courant de EDF, mais le problème était dans notre compteur. Notre interrupteur avait, il faut la soulever d'une certaine manière. Et le premier dimanche qu'on avait culte, un frère est venu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a fait une manipulation, l'interrupteur est tombé. Alors, les grilles métalliques ne se soulèvent plus parce qu'il n'y a plus de courant. Et les frères sont venus, ils ont voulu soulever l'interrupteur. Ils l'ont soulevé, mais il n'y avait pas de courant. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, le courant n'était plus dans la salle. Mais on avait culte le matin, il y avait les gens dehors qui attendaient. Les gens dehors attendaient. Le pasteur Pierrot a appelé un électricien. Il est occupé. Un tel a appelé un électricien. Il ne peut pas venir. On a appelé EDF. EDF nous dit, il y a du courant, débrouillez-vous. Et la salle était bloquée. Les grilles métalliques étaient baissées. Donc les gens ne pouvaient pas entrer. Et la clim ne pouvait pas fonctionner. Et moi, on me l'a dit, j'étais embêté. Et dans la voiture, je parlais en langue. Je disais, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je priais, je parlais en langue, je priais, je parlais en langue. Quand je suis arrivé dans la salle, j'arrive dehors, j'attends des gens me dire, oh, il faut appeler tel électricien, et il faut l'attendre, il viendra qu'à midi, il faut. Le Saint-Esprit m'a dit, entre dans la salle, vas-y. Je me suis laissé conduire par l'Esprit. J'arrive devant le tableau d'électricité. Une voix m'a dit, soulève ça. Ils ont soulevé, mais ça tombe. Une voix m'a dit, soulève ça de telle manière. J'ai soulevé l'interrupteur d'une certaine manière. Tout le
le monde était choqué, il y avait le courant dans la salle. Il y avait le courant dans la salle. Le problème, c'est que notre interrupteur général a un problème. Il faut le soulever d'une certaine manière pour qu'il reste bien branché. Ni moi j'étais au courant, ni les frères, mais le Saint-Esprit m'a dit, soulève ça de cette manière. Et quand je l'ai fait, il y avait le courant. C'est un peu ce qui arrive dans notre vie. Vous avez le Saint-Esprit, mais il n'y a pas la joie dans votre vie. Vous avez le Saint-Esprit, mais il n'y a pas la paix dans votre vie. Soyez honnête. Est-ce qu'il y a la joie dans ta vie? Vous avez le Saint-Esprit, mais il n'y a pas la joie. Tu dis, mais le royaume des cieux, c'est la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de joie. Je n'ai pas la paix. Chaque mois, je suis angoissé. Chaque jour, je pleure pour mon enfant. Je pleure pour mon mari. Je pleure pour mes finances. Je pleure pour ma santé. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas la joie. Alors que le Saint-Esprit est en toi. Alors que le Saint-Esprit est là, tu n'as pas la paix. C'est parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Il y a un problème dans ton compteur général. Ton interrupteur, ta communion avec Dieu est brisée. Tu as le Saint-Esprit, mais ta communion avec le Saint-Esprit est brisée par un interrupteur qu'il faut soulever d'une certaine manière. Parfois, c'est un interrupteur qui n'est pas bien. C'est-à-dire que ta communion avec Dieu souffre. Le Saint-Esprit est là, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, nous allons voir ces choses-là, ces interrupteurs que nous savons pas bien soulever dans nos cœurs et qui fait que, malgré que vous êtes pasteur, malgré que vous êtes chrétien, malgré que vous aimez Dieu, malgré que vous prêchez la parole de Dieu, mais au fond de vous, il n'y a pas la joie. Vous souriez aux autres, vous montrez vos dents, vous vous efforcez d'être joyeux, vous avez une joie mécanique, vous avez un masque de joie, un masque souriant, mais au fond de toi-même, quand tu te retrouves seul dans ta chambre, tu es triste pour ta vie, tu es triste pour ton avenir, tu es en train de pleurer. La joie n'est pas là. La paix n'est pas là. Et nous allons voir quel interrupteur qu'il faut soulever pour que la joie du Saint-Esprit qui est branchée déjà dans ta vie, la joie du Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit qui est déjà dans ton cœur puisse être activée. Ce n'est pas normal vivre sans la joie. Ce n'est pas normal, toi, un enfant de Dieu, que tu puisses vivre plus stressé que le païen, que tu puisses vivre plus angoissé que le païen. Ce n'est pas normal. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, nous brisons cela. Le premier interrupteur que nous ne savons pas réparer, c'est le manque de pardon. Quand vous ne pardonnez pas aux gens, croyez-moi, vous n'aurez jamais la joie. Votre communion avec le Saint-Esprit va souffrir. Jésus-Christ s'est dit, pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus-Christ s'est dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez. Mais des fois, le problème c'est que nous pardonnons. Mais nous pardonnons à notre manière. Mais Jésus-Christ s'est dit, nous devons pardonner de tout notre cœur comme notre Père Céleste nous pardonne. Il ne faut pas pardonner à moitié. Des fois nous pardonnons. On dit, ah oui, je l'ai pardonné, je le salue. Je l'ai pardonné, je lui parle normalement, je ne lui en veux pas. Des fois, on se ment à soi-même. Tu dis, eh bien, j'ai pardonné à mes frères et sœurs, mais j'ai quitté l'église. C'est parce que tu n'as pas pardonné. Tu quittes l'église parce que tu es incapable de pardonner. Tu quittes l'église parce que tu n'arrives pas à vaincre la haine, l'antipathie, l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Les gens trouvent que la bonne solution, c'est de quitter l'église.
Mais là où Dieu t'a mis, la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Voyez, les gens essayent toujours de contourner la Bible, d'interpréter la parole comme ça les arrange. La Bible dit, celui qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Alors, Zotka dit, mais Bishop Elika, condamnez-nous. Celui qui refuse d'écouter la loi, sa prière est un acte dans Proverbe, hein? Proverbe 9, Proverbe 28, verset 9. Oh non, là, je vais voir le verset. Proverbe 28, verset 9. Non, je cherche notre... Voilà. Pour Proverbe 28, verset 9, je préfère cette version. Bien-aimés, on va lire la Bible. On va lire la parole. On est fatigué avec les discours des hommes. On va lire la parole. Vous allez lire avec moi la parole. Vous allez vérifier si ce que je prêche est biblique ou pas. Il y a trop de discoureurs aujourd'hui. Proverbe 28, ouvre ta Bible. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ouh! Interrupteur. Voilà un interrupteur grave. Voilà un interrupteur grave. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est terrible. Elle dit que lorsque tu es en train de prier, tu es en train de faire une abomination. Parce que tu ne veux pas pardonner. Tu sais que la parole de Dieu, la loi de Dieu te demande de pardonner. Donc si quelqu'un ne veut pas, autrement dit, si quelqu'un ne veut pas obéir à la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Vaut mieux que tu ne pries pas. Vous voyez comment, des fois, on se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Nous passons du temps à prier. Nous passons du temps à jeûner. Moi, j'ai vu un pasteur qui a fait 40 jours de jeûne. Mais il était dans une telle misère, je me dis, mais comment quelqu'un peut prier comme ça et être aussi misérable? 40 jours de jeûne. Tu ne te poses pas la question. 40 jours, Jésus a fait 40 jours de jeûne. Les anges sont venus lui tenir compagnie. Les lions sont venus le servir. Les lions, on dit qu'il était avec des bêtes sauvages. Dans Luc, la Bible dit que Jésus, après avoir fait 40 jours, les anges sont venus le servir. Il était avec des bêtes sauvages. Donc, scorpions, serpents, les bêtes sauvages étaient là. Les bêtes sauvages n'étaient plus sauvages avec lui. 40 jours de jeûne. Quand vous faites du jeûne, vous êtes intègre avec Dieu.
Même la maladie, le virus, les bêtes sauvages vont te respecter. Même les bandits vont se calmer devant toi. Même le voleur va se calmer devant toi. Ton ex-mari qui va t'embêter va se calmer devant toi. Ton patron qui veut t'écraser va se calmer devant toi. L'enfant qui est rebelle va se... Allah yakama la yalaka mama yakala maya la baba 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 yekala baba 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 yekaba sa ya baba baba. Ah Jésus, ah Jésus, ta parole Seigneur, aie pitié de nous, moi le premier Seigneur, aie pitié de nous Seigneur, moi le premier. Je dis bien Seigneur, aie pitié de nous, nous avons un problème. Commençons par moi Seigneur, aie pitié de moi, que je ne sois pas dans une telle situation Seigneur. Il était avec des bêtes sauvages, my God. Coronavirus, une bête sauvage, va se calmer. La rougeole du singe va se calmer. Oh, bien-aimé, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas n'importe qui. Chrétien, vous n'êtes pas n'importe qui. J'attends tellement des chrétiens me dire, ah, le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela, un chien m'a mordi, les lions m'ont attaqué, les moustiques m'ont fait ça. C'est pas normal. Est-ce qu'une mouche touche une plaque chaude? Je peux vous amener sur mon réchaud. Hein. Quand j'allume une plaque chaude là, la plaque devient rouge. Les réchauds, ça devient rouge. Une mouche ne s'approche pas. Même le moustique, même le cafard, il ne s'approche pas de la plaque parce qu'il sent la chaleur. La plaque n'a pas besoin de chasser les moustiques. Les moustiques, eux-mêmes, sentent la chaleur. Ils savent que là, il ne faut pas se poser. Nous sommes des plaques chauffantes, bien-aimés. Quand vous avez le feu de Dieu en toi, vous devenez une plaque chauffante. Aïe, aïe, aïe. Quand le courant est en vous et que l'interrupteur est bien branché, vous devenez une plaque chauffante. Toutes les mouches, ils sentent la chaleur. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être près de toi à un certain mètre. Vous ne devez pas ne pas dormir, toujours passer la nuit à crier sur les démons. Vous savez, j'ai déjà vécu une telle expérience. J'avais tellement, à un moment donné, une onction forte. Toute personne qui avait un démon, qui s'approchait à moins de 1 mètre de moi, était paralysée. Je me rappelle, le frère Bernard Danquet, le pasteur Bernard Danquet, il était ancien. Il y a quelques années, il m'avait reçu chez lui aux Abîmes. Sa femme était là, il y avait des témoins. J'étais assis à la table, on était en train de manger. Lorsque une dame est passée derrière moi, je ne sais pas si c'était dans la maison de ce pasteur ou bien de quelqu'un qui est proche de lui, une dame servait à la table, elle a commis l'erreur de passer à moins de 1 mètre sur mon dos. Elle voulait me contourner pour aller servir à la table quelqu'un d'autre. Elle est passée à moins de 1 mètre de moi. Quand elle est arrivée à moins de 1 mètre de moi, paralysée. Elle n'arrivait plus à bouger son pied ni ses mains. Et moi, j'étais là, je parlais, et j'ai vu tout le monde regarder derrière moi. Quand je tournais mon dos, j'ai vu une dame avec les assiettes dans les mains, paralysée. Quand vous êtes une plaque chauffante, il y a des combats que vous ne ferez plus. Il y a des combats que vous ne ferez plus. Il y a des démons que vous ne chasserez plus. Quand vous êtes une plaque chauffante, je vous dis, il y a des démons que vous ne chasserez plus. Les démons lui-même, quand ils sentent la chaleur, les mouches, quand ils sentent la chaleur, ils savent que là, il ne faut pas aller. Le problème, c'est nous, bien-aimés. Le problème, c'est nous. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Enfant de Dieu, quand est-ce qu'on va comprendre ça? Les interrupteurs dans nos vies, le manque de pardon,
La Bible dit, ne quittez pas vos assemblées, mais toi, tu as tellement l'amertume, tu as tellement la haine, où tu ne supportes plus certains visages, tu ne supportes plus certaines personnes, parce que l'amertume n'est pas, tu n'as pas sincèrement pardonné. Quand le pardon n'est pas parfait, l'amertume reste, l'antipathie reste, tu supportes plus certains visages, tu ne supportes plus l'assemblée même. Quand le pardon n'est pas parfait, quand tu ne pardonnes pas à ton pasteur, quand tu ne pardonnes pas au choriste, quand tu ne pardonnes pas à certaines personnes de l'assemblée, et tu te mens toi-même, j'ai pardonné, je n'en veux à personne. Mais le résultat, tu ne vas plus te sentir à l'aise. Et puis finalement, tu vas te dire, je quitte l'assemblée, je ne sens plus l'onction. Arrête de mentir, tu ne sens plus l'onction. L'onction n'est pas dans une assemblée, l'onction est en toi, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, où que tu sois, tu sentiras l'onction. Oh, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, si l'interrupteur n'est pas débranché dans ton cœur, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, même dans les cimetières, même dans une église morte, tu sentiras l'onction, parce que l'onction est en toi. L'onction n'est plus dans les bâtiments. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. L'onction n'est plus dans les bâtiments. Ma communion avec le Saint-Esprit ne dépend pas du pasteur, ni de l'assemblée, ni des gens. Non, 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 non. Je sens l'onction partout où je vais. Là où je mets mon pied, l'onction met son pied. Ouh! Je ne sens plus l'onction, je ne sens plus. C'est toi qui as un problème. L'interrupteur est tombé. Qui dit j'ai pardonné, voyez, c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas obéir à la parole. Sa prière même est une abomination. Imaginez-vous, voilà comment les gens, ils ont le Saint-Esprit, mais l'interrupteur est tombé. Leur vie est chaotique. Leur vie est chaotique parce qu'ils n'ont pas pardonné. Nous allons voir ce verset. Nous, quand on lit la Bible, hein, Jésus était avec les bêtes sauvages. On va voir ça. J'aime bien vous montrer les versets. J'aime bien vous montrer les passages. J'aime la Bible. Je sens ça dans mon esprit. Je dois... Oh, pourquoi il ne bouge plus? Marc, chapitre 1, verset 13. Marc, chapitre 1, verset 13. Marc, chapitre 1, verset 13. J'aime bien qu'on voit tous les versets que je cite. Pour moi, c'est important que vous voyez tous les versets que je cite. Parce que je ne vous enseigne pas une doctrine, mais je vous enseigne la parole de vie. Il était avec les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Aïe, 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 aïe. Je prie Dieu que vous soyez un jour avec les bêtes sauvages et Dieu ferme leur gueule. Marc chapitre 1 verset 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Ah! J'aime ça. Moi, j'aime ça. Ce verset-là, c'est formidable. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Voyez. Il n'y avait pas de problème avec les démons. Voyez. Les démons doivent être à 1000 km de vous. Ce n'est pas une belle vie, ça. Tout le temps, tu dors pas. Satan, lâche-moi, Satan. Tout. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux comprendre que ce n'est pas normal?
La vie chrétienne est une vie de paix. Si tu ne dors plus, moi je connais un chrétien comme ça. Je connais un ami à moi comme ça, un chrétien. Mais le monsieur ne dort plus. Toute la nuit, il sursaute. Ah, j'ai vu Satan. Il sursaute. Ah, j'ai vu les démons. Les sorciers sont venus me chercher. Ils sont à la fenêtre. Il sursaute. Et puis, il passe la nuit à prier. Et sa prière, c'est toujours se chamailler avec les démons. Satan touche pas. Satan lâche. Satan lâche. Oh! Et moi, quand je dors, le sommeil vient. Le gars saute. Waouh! Il me coupe le sommeil. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Bishop, j'ai vu les sorciers, ils voulaient rentrer dans ma chambre par cette fenêtre-là. J'ai dit, écoutez mon frère, ça ne va pas du tout. Tu me coupes le sommeil, moi je n'ai rien à voir avec les démons. Je ne suis pas leur copain, ils savent qui je suis. Hein? Donc je ne veux pas dormir la nuit et passer tout mon temps à me chamailler avec les démons. Alors les anges servent à quoi? Les anges là, tes anges là, les anges gardiens, les anges guerriers que Dieu t'a donné, ils servent à quoi? Les anges et dorment et toi tu ne dors pas. Il dit, mon frère, arrête-moi ça, il y a un problème. Tu as une dette, il y a un interrupteur qui n'est pas bien branché dans ta vie. Tu as un problème. Mais nous voulons pas reconnaître les problèmes, c'est ça. Nous avons un problème, mais on n'aime pas reconnaître que nous avons un problème. On ne veut pas reconnaître que nous avons un problème. On ne veut pas les reconnaître. C'est Marc chapitre 1, ma fille. Toi, tu vas dans Luc. Bishop Elie a dit Marc, Amara dit Luc. Luc chapitre 5, est-ce que c'est la même? On va voir. Vous vous rappelez, Luc chapitre 5, verset 32. On va voir qu'est-ce qu'il lui dit là-bas. Oh. 32, on va voir. Ça peut être... 32. Je ne sais pas pourquoi il donne ce verset. Amen. Il était avec les bêtes sauvages. Jésus était avec les bêtes sauvages. Voilà. Ils ne fuyaient pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de fuir devant les lions. Ils sont en train de fuir à gauche, à droite. Je connais même une dame qui a déménagé à cause des démons. Une dame qui m'a dit, Bishop Elie, elle habitait à Basse-Terre. Elle a quitté Basse-Terre. Elle est venue habiter à Bemao. Et à Bemao encore. Il m'a dit, Bishop Elie, il y a un chat qui vient tout le temps devant ma fenêtre. Un chat. Il dit, mais qu'est-ce que le chat a? Ah, les chats viennent faire pipi devant ma fenêtre, les chats. Le problème qui s'est passé, l'ancien occupant avait un chat et il est parti sans prendre son chat. Alors la chrétienne est venue occuper l'appartement et le chat voulait revenir dans l'appartement parce qu'il pensait que c'est toujours chez lui et il voulait se faire adopter. Alors le chat fait pipi, normalement il vient faire pipi, vous savez, pour prendre possession de lieu. Mais la dame, vous voyez, le diable est là. Ah, Bishop Elie, il y a un chat, ce chat-là c'est un sorcier. J'ai dit, oh, vous voyez le diable partout, même dans les cabris, même dans les moustiques, même dans les lapins. Vous voyez le diable partout, sauf dans votre bouche. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges t'es servis. Mais pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voyons plus les démons que les anges, entre nous? Faites les statistiques. Vous allez voir que les chrétiens voient plus les démons que les anges. Aujourd'hui, les chrétiens voient les sorciers. Et on voit que les sorciers, les soukounias, les démons, on ne voit pas des anges. Et regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul voyait des anges. Il voyageait avec des anges. L'apôtre Pierre, il voyait les anges. Un ange lui est apparu, lui a dit, va, Corneille est là, va. Les anges. Mais nous, aujourd'hui, on ne voit plus des anges. On voit que des démons, des soukounias, des démons partout dans les assiettes, dans les frigos, dans la voiture. Oh my God.
Tout ça, c'est un mauvais enseignement. Un mauvais enseignement. Parce que vos pasteurs vous parlent trop de démons. Vos pasteurs vous parlent plus de démons que de Jésus. Vos pasteurs vous parlent plus de Satan que de Jésus. Le nom de Satan est cité plus que le nom de Jésus dans l'église. Vos pasteurs vous parlent plus de démons que des anges. Et c'est normal qu'à la fin, vous commencez à voir les démons partout. Il était avec des anges. Donc, le premier interrupteur qui coupe le courant en nous, c'est le manque de pardon, bien-aimé. Soyez honnête avec Dieu. Vous devez obéir à ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Qui aime, pardonne. Et lorsque vous ne supportez pas quelqu'un, que cela soit votre pasteur, votre parent, votre maman, votre voisin, lorsque vous voyez le visage de quelqu'un, vous ne sentez pas bien, soyez honnête avec vous-même. Dites, Seigneur, ce n'est pas normal. Un homme créé à ton image, seulement sa présence me coupe la joie. Ce n'est pas normal. Un homme créé à son image, seulement son sourire m'énerve. C'est parce que le pardon n'est pas parfait en toi. Parce que tu as pardonné à ta manière. La deuxième chose qui coupe l'interrupteur, la connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là dans votre vie. La joie est là. La paix est là. La justice est là, mais vous n'êtes pas connecté. Vous êtes dans une maison qui est branchée sur l'électricité de EDF, mais dans la maison, il n'y a pas de courant parce qu'il y a un interrupteur qui est tombé, qui est cassé. La deuxième chose qui coupe l'interrupteur, c'est les paroles négatives, le manque de foi. Lorsqu'on parle des paroles négatives, les paroles ne sont rien d'autre que la manifestation de votre foi ou de votre incrédulité. Écoute, mon fils, dans Genèse 1, verset 1, on dit « La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. » La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Des fois, notre vie n'a pas de joie, n'a pas de paix. Notre vie est chaotique, mais l'Esprit de Dieu mouve au-dessus de notre âme. L'Esprit de Dieu est au-dessus de ton esprit. L'Esprit de Dieu est en toi. Mais malgré que tu as l'Esprit de Dieu, mais tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, tu vis angoissé. Tu vis comme une gazelle pourchassée par les lions. Vous voyez la gazelle? La gazelle dans la forêt n'a jamais la paix. Ne pas remarquer ça. La gazelle est toujours comme ça, en train de regarder à gauche, à droite. Les oreilles bougent à gauche. La gazelle n'a pas la paix parce qu'elle a toujours peur. Elle bouge ses oreilles tout le temps. Elle est tout le temps inquiète. Nous ne sommes pas des gazelles, nous sommes des lions de la tribu de Juda. Mais par contre, le lion, il n'est jamais inquiet. Le lion dort comme un roi, il dort. C'est l'un des plus grands dormeurs dans la forêt. Vous n'êtes pas une gazelle que le diable doit pourchasser. Il a fallu que Dieu dise que la lumière soit pour que la lumière soit. Voyez. Donc l'ordre, des fois, la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie dépend de votre bouche. Vous avez déjà l'onction.
Vous devez commencer maintenant à parler la parole de Dieu, à proclamer les paroles positives, à proclamer la parole de vie, à déclarer des bonnes choses, à créer la joie dans votre vie, à créer la guérison. Mon fils est guéri, toi tu es béni, la joie est là, nous réussirons, nous nous en sortirons avec Dieu. Commencez à déclarer des bonnes choses. Mais à la place, nous coupons l'interrupteur. Nous déclarons des mauvaises choses. Nous déclarons, ah, on n'a pas la chance dans notre famille. Ah, dans notre famille, on n'est pas béni. Ah, dans notre famille, on meurt toujours jeune. Ah, dans notre famille, on ne réussit jamais. Vous êtes en train de couper l'interrupteur. Voilà pourquoi il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la justice dans votre vie. Fixez les regards vers Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Fixez vos regards. Quand on fixe les regards, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, on n'est pas couvert de honte. Fixez les regards vers Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Confessez la parole. Arrêtez de confesser l'échec, de confesser, voyez. Dans Job, il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. La peur, c'est le contraire de la foi. Job dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, ce qui m'arrive. On va voir ce verset. Je vais vous donner des versets, moi. Job 3, verset 23. Je vais vous faire manger des versets comme vous n'avez jamais mangé. Vous allez manger des versets comme des cacahuètes. Yoka manger versets. Maintenant, après ma prédication, vous allez tellement manger des versets que vous serez rassasiés. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, il y a des chrétiens qui n'ouvrent pas leur Bible. Alors, autres qu'à manger les versets comme les cacahuètes. Proverbe Job, chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voyez. L'interrupteur. La crainte, c'est le contraire de la foi. Autrement dit, il te sera fait selon ta foi. Ou il te sera fait selon ta peur. Il te sera fait selon ta foi. Ou il te sera fait selon tes doutes. Parce que la peur, c'est la foi négative. La foi positive croit à la guérison. La foi négative croit à la mort. Voilà, quand vous avez peur de la mort, c'est parce que vous avez la foi dans la mort. Vous avez peur de l'accident parce que vous avez la foi dans l'accident. Voilà pourquoi Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Adi baba daba shikudi baba daba yukuru baba daba baba shanta daba. Saba baba baba baba. L'interrupteur. Et la troisième manière, on coupe la lumière, c'est le péché. Lorsque nous péchons, l'adultère, la fornication, le mensonge, ça coupe notre communion. La quatrième manière, le manque de prière. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Lorsque, je vais vous lire ce verset. Zotka mangeait la Bible, Zotka mangeait. Lorsque Moïse levait les mains, Israël. Vous allez manger la Bible, mes amis. Exode
17, verset 11. Vous allez manger les versets comme des cacahuètes au nom de Jésus. Exode 17, verset 11. En café, vous autres mangez versets là comme cacahuètes. Vous allez devenir gras spirituellement. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Je relis encore. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Voyez, je suis fier de vous prêcher la parole. Ce n'est pas les discours, la parole. Je ne fais pas des discours, je prêche la parole. Vous comprenez? C'est important. Lorsque vous ne priez pas, vous éteignez l'onction dans votre vie. Vous vous déconnectez du Saint-Esprit. La joie, la paix disparaît. L'ennemi devient plus fort. Le sorcier devient plus fort. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Le message que je voulais partager avec vous. Le royaume des cieux, c'est-à-dire la qualité de la vie de Dieu. Ce que c'est dit, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Nous allons entrer dans le royaume des cieux. Au dernier jour, on vivra éternellement dans le royaume des cieux. Mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ sur terre, ce royaume-là s'installe à l'intérieur de nous. Vous devez vivre une vie surnaturelle, une vie de miracle, une vie de guérison, une vie de paix, une vie joyeuse, sans angoisse. Bien-aimé, le problème c'est nous. Croyez-moi, le problème c'est nous. Il n'y a pas de lumière et pourtant l'électricité EDF est déjà branchée. Il n'y a pas de lumière, pourtant l'électricité du ciel, la force du ciel, la puissance du ciel est déjà branchée dans notre esprit. Mais il n'y a pas de lumière, parce qu'il y a un interrupteur qui ne fonctionne pas, qui est cassé. Pourquoi est-il cassé? Manque de pardon. On ne veut pas pardonner. On quitte l'assemblée, ou on quitte la maison, ou on quitte le mari ou la femme. On quitte la famille, parce qu'on n'est pas capable de pardonner. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens mentent contre eux-mêmes. Ils disent, ah, je pardonne, mais non, je t'en veux pas, je t'ai pardonné. Mais ils ne te saluent plus, hein. Je te pardonne, mais non, il n'y a pas de problème. Ils ne te disent plus bonjour, hein. Il n'y a pas de problème, mais je pardonne, je n'en veux à personne, mais je quitte l'assemblée. N'oubliez pas que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Et troisièmement, parce que nous prononçons l'incrédulité, nous prononçons des paroles négatives. Ça coupe l'interruption avec Dieu. Le doute. Quatrièmement, on a vu le péché. Le péché. Troisièmement, je crois bien. Et quatrièmement, le manque de prière. Il y a d'autres interrupteurs aussi, mais c'est ce que j'ai à partager avec vous. Je vous aime de l'amour de Dieu et je vous invite, vous qui êtes à Paris, de venir dans notre assemblée à Morengis. Et vous qui êtes aux Antilles, à l'assainissement, I love you all. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit dans votre vie, que là où il y a la tristesse en toi, la joie puisse être, que la joie soit ton partage.
Va devant la présence de Dieu et dis, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Pourquoi je n'ai pas la joie? Pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Montre-moi ce qui ne va pas, Seigneur. Sonde mon cœur et sonde mes reins. Montre-moi, Seigneur, je vais me repentir. S'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, que je ne vois pas, Seigneur, révèle-le-moi. God bless you. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour, cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume Dieu t'entend. Et Black a dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retour à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, viens Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, cherche non pas l'argent. Thank you.